Bonsoir, je m'appelle Yasmine Barraoui. Je suis trisomique. Bon, je vais commencer en vous posant une question. Qui se demande pourquoi je suis sur scène? Qui se dit que fait une jeune fille trisomique sur la scène de TEDx Casablanca? Cette question-là, qu'est-ce que je fais là? A été le plus grand problème de ma vie. D'ailleurs, il y a 3 semaines, un journaliste se demandait s'il fallait autoriser l'avortement dans le cas où l'enfant était diagnostiqué trisomique. Gardez le faute. D'ailleurs, depuis toute petite, je souffre de ne pas avoir d'amis. C'est le pire, c'est que je ne comprenais même pas pourquoi. Après, j'étais trisomique lorsque mes parents me l'ont annoncé. J'ai eu du mal à comprendre. C'est vrai que j'ai un chromosome en plus que vous. Regardez sur la paire 21. Je suis comme vous, j'ai 2 jambes, 2 bras, un cerveau et 1 cœur. J'ai obtenu mon bac en 2014. Avec mention, cela m'a valu d'être doctoré par le Sa Majesté Mohamed VI. J'ai été également contacté par les médias et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et ça, je ne comprenais pas. Je ne me sens pas handicapé. De nombreuses personnes se disent « Oh, la pauvre, elle est trisomique, elle est handicapée. » Mais n'oubliez pas que c'est moi qui ai un chromosome en plus. Alors que c'est vous qui manquez quelque chose. Avant de terminer, je veux juste dire quelque chose. Je ne me sens pas handicapée. C'est vrai, les gens qui pensent que c'est très dommage qu'on ne peut rien faire, parce que leur esprit n'est pas ouvert de voir un autre monde. Un monde où l'on accepte la différence pour en faire une force. Un monde où l'on trouve, ou trisomique, ou autres enfants présentant des besoins spécifiques, ils peuvent avoir une chance de vivre leur rêve. Ben, je dis aux parents d'enfants présentant des besoins spécifiques, battez-vous pour eux. Vraiment, battez-vous pour eux. Ne les laissez pas tomber. Ils ont le droit de vivre leurs rêves. Et cela est vrai pour tout le monde. Et cela est vivre pour tout le monde. Battez-vous pour eux. Sincèrement, il faut savoir qu'il y a des trisomiques de nombreux qui sont des peintres, cuisiniers ou même acteurs. Moi, je veux devenir femme d'affaires. Mais il y a de nombreux métiers accessibles, comme peintre, ouvrier, acteur. C'est vrai. Ben, je dis, abattez-vous pour eux. Il y a certaines choses que pour réussir, je réussis, car je travaille pour n'importe lequel d'entre vous tous. Merci. Bonne soirée.